Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Ben-Hur en édition 50e anniversaire en Blu-ray de William Wyler avec Charlton Heston, Stephen Boyd, Hugh Griffith et Jack Hawkins. C'est un film distribué par Warner Brothers et sorti en magasin le 12 mars 2013. Judah Ben-Hur, prince de Judée, retrouve son ami d'enfance, Massala, venu prendre la tête de la garnison de Jérusalem. Mais leur amitié ne peut résister à leur caractère différent. Alors qu'une pierre tombe du balcon de la maison familiale de Ben-Hur, manquant de tuer le gouverneur qui paradait plus bas, Massala trahit son ami qui s'est innocent en l'envoyant aux galères et en jetant en prison sa mère et sa sœur. Ben-Hur jure alors de reconquérir sa liberté et prépare sa vengeance. Ben-Hur est un classique d'une autre époque, une histoire biblique se passant au temps du Christ, qu'il rencontrera d'ailleurs. En fait, il est à l'opposé de Jésus, car si l'homme saint prêche l'amour et le pardon, mais lui, Ben-Hur, se nourrit de haine et de vengeance. Cette œuvre magistrale, très bien réalisée, avec des acteurs de très grand talent, faisant ressortir les émotions pour le spectateur. C'est un film qui prend son temps pour développer son récit, ce qui permet d'aller dans les détails les plus minutieux, d'où la durée de plus de 3h30. Certains d'entre vous pourraient peut-être reprocher les longs dialogues laissant beaucoup moins de place aux événements spectaculaires comme la bataille navale et la mythique et impressionnante course de chars. Il ne faut pas oublier les récompenses que cette œuvre a reçues. Parce que justement, le film a reçu plus de 11 Oscars lors de la cérémonie des Academy Awards, dont certains des plus importants, tels que meilleur acteur pour Charlton Heston, meilleur rôle de soutien pour Hugh Griffith et meilleur réalisateur pour William Wyler. Visuellement, cette édition Blu-ray est vraiment spectaculaire grâce à sa restauration image par image à partir de la pellicule originale. Les images sont claires, précises et les couleurs magnifiques et vraiment éclatantes. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 5.1, français, espagnol, italien, allemand et polonais 5.1, en plus du portugais également, tchèque, et hongrois en édition mono. On a également des sous-titres qui sont en anglais, français, espagnol, portugais, allemand, italien, croate, tchèque, danois, néerlandais, finnois, grec, hébreu, hongrois, islandais, coréen, norvégien, polonais, roumain, russe, suédois et thaï. Donc, c'est vraiment beaucoup de choix disponibles au niveau des langues. Pour les suppléments, on retrouve un commentaire audio de l'historien T. Jean Hatcher avec Charlton Heston. On a également le film qui est disponible avec seulement la trame musicale. Donc, c'est vraiment peut-être intéressant pour ceux qui aiment les trames sonores de films. Et on a également des bandes-annonces. Donc, Ben-Hur est un incontournable, un film que tout le monde devrait voir au moins une fois pour voir la magie du cinéma d'époque. De plus, il faut noter l'excellent travail de restauration en haute définition qui a été fait pour cette œuvre unique et cette œuvre magistrale ainsi que ce classique, quoi. Donc, c'était Sébastien. Merci et bon visionnement.